Eh bien, salut tout le monde, c'est Hardvec, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Batman Arkham Knight. Et donc pour un, à mon avis, pour un sacré épisode, parce qu'on doit aller sauver Oracle. Ça s'embrouille dans le ghetto, là. On va se barrer d'ici. Donc là, on doit aller sauver Oracle dans le repère de l'épouvantail. À mon avis, le repère de l'épouvantail doit être bien gardé, je pense. Donc, à mon avis, ça va être assez la merde. Alors, c'est où? C'est ici. D'accord, il y a déjà un petit hélico qui garde le truc. Voilà, il m'a repéré. Alors, il commence plutôt bien. Par où on rentre dans ton repère, ma gueule? D'accord, il y a une issue là-haut. Je pense. Non. Non, c'est pas la bonne tour ça. Ah si, si, c'est la bonne tour. D'accord. L'hélico est en train de me démonter la gueule, hein. Non, par contre. Évite. Bonjour, messieurs. Alors. Que se passe-t-il ici? On arrive le plus vite possible et Crane l'a déjà tué. Oh, il n'a pas le sens du spectacle. L'œuvre est une affaire de mise en scène, Batman. Il y a une arme derrière. Et c'est pourquoi j'ai mis au point ce petit spectacle. C'est assez bizarre. Oh, un point pour tronche de sac. Tronche de sac. Oh, pas mal. La toxine. Je peux presque la sentir. Papa! Oui, tu la vois maintenant, l'horreur derrière la glace, le monstre qui causera ta perte, à moins que tu prennes cette arme et que tu l'arrêtes. N'écoutez pas! What? Pitié! Pitié, non! Baba! C'est moi! Votre ami! Tu ne mourras pas! Non. Je fais pas ça, biatch. Non. Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent. Monsieur, qui y a-t-il? C'est fini, Alfred. Comment ça? Barbara. L'épouvantail voulait me punir. Il l'a tué. Non. Oh, what? Monsieur, restons concentrés. Pour les habitants de Gotham. J'aurais dû la protéger, Alfred. Elle est morte à cause de moi. Oh, ça y est, ça y est. Écoutez-moi. Les fichiers de Stagg ont révélé le rôle du fameux déluge. C'est alors, mets-toi-en, frérot. Vous ne voyez donc pas? L'épouvantail a les moyens de répandre sa toxine de peur sur la ville entière. Vous l'avez empêché de la rendre opérationnelle, mais ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, m'entendez-vous? Et lui, il fait quoi, lui, s'il te plaît, là? Il se demande comment il peut encore se supporter. Maître Bruce, la mort de Mademoiselle Gordon... Oh, il ne faut pas que ce soit en vain. Tu ne peux pas la ramener... Allez, frérot, remets-toi, là. Putain, on peut même pas marcher, là, bordel de merde. Allez. Ah, il est à genoux, en plus. Parole de scout. Ivy. Monsieur. Alfred, faites une analyse satellite de la ville. Tenez-moi au courant dès que vous aurez repéré le déluge. Bien sûr, monsieur. Où comptez-vous aller? Au GCPD. Ivy était immunisée contre les effets de la toxine. Vous pensez qu'elle vous aidera? Disons qu'elle n'a pas le choix. D'accord, trouvez avec Ivy pour mettre au point des contre-mesures face au déluge. Rejoindre Ivy à la prison du GCPD. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les mecs, hein, elle est morte. MDR. Allez, let's go. Bon bah elle s'est tuée. Très bien. Cette nuit, c'est serre. Cette nuit, il ne s'agit pas
Alors, je sais pas comment il va annoncer ça à Gordon. Au père de l'oracle. Alors, un petit peu con quand même cette mort, je trouve. Voilà, ça laissait un petit espoir, on la voyait encore en vie. Et en fait non. C'est un peu dommage, je trouve. Allez, donc on va retourner au GCPD. Pour aller voir Ivy. C'est vrai que Ivy elle est immunisée avec le gaz. Donc elle va pouvoir nous aider. Ah merde, on aurait dû prendre la batte. Elle est où? Voilà, il y aura peut-être du temps. Faire tout le chemin à pied, ça va. Il arrive un moment, ça casse un petit peu les couilles. Allez, ah d'accord. Et qui se fait des petits créneaux comme ça. Bonjour messieurs. Contente de vous voir, Batman. De même, allez. Pourquoi il est ouvert là? Bah il y a du monde ici. Allez, allez où Ivy? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dirigeable? L'épouvantail a pris le déluge. C'est pas bon, j'imagine. Où est Gordon? Toujours à la recherche de Barbara. Il est injoignable. Dites-moi que vous l'avez retrouvé, Batman. Ah oui, on l'a retrouvé, oui. Je suis désolé. Non, ne dites pas ça. Pas elle. Si Gordon revient ici, enfermez-le. Ça ne peut que mal finir, s'il s'attaque à l'épouvantail. Ah d'accord. S'il revient, enfermez-le. Parce que le mec, à mon avis, ouais, c'est vrai qu'il risque de péter un petit câble. Je fais quoi, là? Je rentre dedans, non? Ça passe comment? D'accord. Ah, putain, il faut se mettre vraiment sur la place. Hein? Si tu bouges de 2 cm, c'est mort. D'après ce que je vois, tu as plutôt besoin d'un miracle. Pourquoi le gaz n'a pas d'effet sur toi? Tu aurais peur aussi si tu voyais ce que l'épouvantail a fait à tes plantes. Et pourquoi moi, je te ferais confiance? Parce que sans ton aide, toutes les plantes de cette ville vont mourir. Parlons un peu de ce miracle. J'ai créé une spore pour combattre la toxine de Crane. Facile quand on s'y connaît. Et quand on sait remodeler les molécules des plantes. Ça peut protéger la ville entière? En théorie, oui. Mais je ne réussirai jamais à en produire assez toute seule. Alors il va te falloir du renfort. Où est-ce qu'on va? Au jardin botanique. On y trouve les plus vieilles plantes de Gotham. Elles me diront ce qu'il faut faire. Ok ma grande, allez monte dans le coffre. Je t'emmène au jardin, y'a pas de soucis, y'a pas de galère. Allez, let's go. Je t'emmène voir tes petites plantes là. Bon, à mon avis, faut s'attendre à du fight sur la route. Le rideau métallique ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tank drôlement balèze qui circule dans le coin. Oh putain, bordel. Je ne le suis pas non plus. J'en parle justement en plus. Je l'analyserai depuis les toits. J'essaierai de trouver un point faible. Ok, j'ouvre. Évitez de vous faire tuer. Ah bah oui, c'est mieux. D'accord, le grappin qui sort tout seul. Voilà le temps. Sans appuyer. Tu dois analyser sa structure pour trouver une faiblesse exploitable. À toutes les unités, l'unité Cobra a été déployée dans le secteur 3. Je dois zoomer et viser la cible pour l'analyser à cette distance. Côté droit analysé. Il me reste l'arrière et le... C'est réglé pour le côté gauche. D'accord. Je n'ai plus qu'à scanner là. J'ai déjà analysé cette section.
Ah, d'accord. Le canon du drone Cobra est assez puissant pour réduire la Batmobile en pièces en quelques salves. Et son blindage est trop épais pour une attaque. Mais what, il y a un truc qui m'attaque là. Cependant, il a un point faible. Le pot d'échappement à l'arrière du drone mène droit à son noyau d'énergie. Un tir bien placé avec le canon de 60 mm de la Batmobile devrait le neutraliser. D'accord. Très bien. Ben voilà. Putain, mais tout à l'heure, j'ai galéré pendant une demi-heure. Faut dire que, franchement, je trouve que c'est vraiment mal expliqué. Il y a tellement de choses à connaître qu'on en perd vraiment les touches, quoi. D'accord, je peux pas appeler la batte. Je peux suivre les déplacements du drone sur le radar et le prendre à revers pour atteindre son pot d'échappement. Il est passé par où? Merde. Merde. Barre-toi. Je peux pas. What? J'étais bloqué. Alors, il m'a repéré. Il est où ce truc? Ok. Bah voilà. L'éclaireur Cobra détruit. Impossible. On connaît le calibre de ces balles. Elles n'ont pas pu trouer le blindage. Bah détrompe-toi ma gueule parce que j'ai mis une bastos. Petit trophée des familles, ça fait plaisir. Mettez le paquet, on aime ça, c'est génial. Oh là, ok. Monsieur Wayne, ce tank ne vous a pas causé trop d'ennuis, j'espère. J'ai le plaisir de vous informer que l'amélioration que vous avez demandée pour la Batmobile vous attend dans le bâtiment de la tour de l'horloge. En supposant que la voiture soit encore en un seul morceau. Ah. Merci, Lucius. T'inquiète, allié, pour l'instant. Alors, même l'objectif, ok. Ok, d'accord. Donc les flèches se barrent. Et reviennent, c'est génial. Allez, let's go. D'accord. Allez. On va voir notre amélioration là. D'accord. Ça change les pneus, tout ça, nouveau disque. Disque en or, oh là 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 là. Faisons une électromagnétique, tactique à courte portée. Pas évident à dire. Désactive temporairement les systèmes de visée des drones. D'accord. Très bien. Je pense qu'il aurait mis un petit coup de karcher aussi sur les côtés, ça aurait pu être pas trop mal. Parce que là, concrètement, elle est dégueulasse, l'auto. Allez. Ah d'accord, il y a déjà un truc qui me tire dessus, je suis à peine sorti. Allez, go. D'accord, c'est génial. Merci Alfred. Je vais devoir les détruire avant de déposer Ivy. Allez. Ok, au moins. Le Cobra perdu. J'en programme un autre. Je te demande, ça t'a pas fait mal?
pu la voir mourir sans pouvoir faire quoi. Ok, d'accord. Il a fallu qu'il vienne par là. Cet enfoiré. C'est de faire le tour. D'accord, on a un là. Oh putain de merde! Il semble avancer en formation. Je dois garder mes distances et les attaquer par derrière. Je comprends pas comment il a fait pour faire le tour. C'est évident là. Cible disparue. Ça va pas être simple les mecs. Oh le puis le mec il arrive comme par hasard il arrive ici. What? Si les mecs ils suivent comme ça, on n'est pas barré, hein. Oh bordel de merde. Mec, ça vous suit quoi là? Allez, dépêche, dépêche. Au moins, il reste plus qu'un. Cobra hors ligne, j'ai des renforts à proximité, je les envoie. Fais pas demi-tour, toi, va toujours tout droit. Barbara Gordon a travaillé pour toi, et elle s'est battue pour toi. Et regarde le résultat. Allez, dernier. Yes, c'est bon. C'est bon, ça, les mecs, on les a soulevés. Allez, loup, jardin. Hop. Mètres. Essaie de faire en sorte que j'arrive au jardin botanique en un seul. Oui, t'inquiète, bébé, y a pas de problème. Allez. Allez, sors du coffre. On y est, Ivy. Et ensuite? Regarde-la. Elle était là avant même que l'homme fasse ses premiers pas. Son pouvoir est encore grand. Mais elle est faible, contaminée par des années de pollution. Elle ne peut pas combattre la toxine de l'épouvantail en l'état. Il nous en faut une autre. Il n'en existe pas d'autre. C'est la dernière. Pourquoi ça? À ton avis, l'homme, il les a coupées, recouvertes, privées de la lumière du jour. Si je localise les racines, tu les feras pousser? Elles sont perdues, enfouies sous cette monstruosité de béton. Comment veux-tu? Qui dit grande plante, dit grande racine. Attends ici, je vais trouver un moyen de les libérer. Lucius, j'ai besoin de détecter un réseau de racines antiques, loin sous la surface. Je suis sûr de pouvoir bricoler quelque chose, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps. Venez à la tour Wayne quand vous serez prêt. Merci, Lucius. Alfred, du nouveau sur les criminels de Gotham? Voyons. Nightwing a à nouveau suivi l'un des camions du Pingouin. Il le mènera sans doute à une autre cachette, nous donnant ainsi une chance d'enrayer le trafic d'armes de Cobblepot à Gotham. Nous avons aussi un cambriolage en cours à la banque de Gotham de Chinatown. Les images de vidéosurveillance indiquent que les braqueurs sont affiliés à Double Face. Monsieur Dent a peut-être égaré sa pièce. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux l'arrêter. Merci, Alfred. D'accord, d'accord. Bon, les mecs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Putain, la vache, c'est quoi ce truc là? C'est un tronc d'armes. Il est énorme le truc. Le truc soutient le pont, quoi.
On a une putain de fleur qui vient d'apparaître. Bon, bah les mecs, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. À mon avis, le prochain épisode, ce sera Jardiland. Ce sera l'épisode Jardiland. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Et on s'arrête sur ces images de cette superbe plante. C'est génial. Allez, salut tout le monde.